Invité de Bruce Toussaint le mardi 29 août 2023 sur BFM TV, David Belliard s'est livré à une incroyable bourde. L'adjoint d'Anne Hidalgo a séché sur les dates exactes des Jeux Olympiques que Paris accueillera au cours de l'été 2024. Sur le plateau des Grandes Gueules, Barbara Lefebvre a tenu à mettre en garde. Elle a estimé que la France allait être la risée du monde. C'est une bourde qui a été loin de passer inaperçue. Invité de Bruce Toussaint le mardi 29 août 2023 sur BFM TV, David Belliard, adjoint à la mairie de Paris, a confessé ne pas connaître les dates exactes des Jeux Olympiques 2024. Sur le plateau du Live Toussaint, l'adjoint d'Anne Hidalgo, en charge de la transformation de l'espace public, des mobilités et des transports, s'est retrouvé en difficulté lorsque l'animateur lui a demandé s'il avait bien noté les dates des Jeux. Oui alors, je ne peux pas vous les donner tout de suite comme ça, a-t-il répondu. Ce à quoi Bruce Toussaint s'est interloqué, vous ne connaissez pas la date des Jeux? Ah, je ne les ai pas là, c'est fin juillet voilà, a répliqué David Belliard avant de conclure. Vous me permettrez, dans mon rôle de responsable politique, de ne pas être au fait au jour près de l'ouverture des Jeux Olympiques. Cette incroyable bourde de l'adjoint d'Anne Hidalgo s'est invitée au menu des Grandes Gueules ce mercredi 30 août sur RMC et RMC Story. Sous la complicité d'Anaïs Sinz, Alain Marchal et Olivier Truchot ont demandé à leurs chroniqueurs du jour, Bruno Pomard, Barbara Lefebvre et Bruno Poncet, d'y réagir. La seconde a tenu à alerter. La France va être la risée du monde, a prévenu celle qui a assisté à un violent accrochage entre Charles Consigny et Bernard de la Villardière. En tant qu'adjoint au transport, il a beaucoup de pain sur la planche parce que le transport à Paris, notamment pour les personnes en situation de handicap, il y a un retard dingue. Ce n'est pas que de la responsabilité de M. Belliard, c'est aussi la responsabilité de la région, mais la situation est catastrophique. Donc il va falloir vraiment qu'il se réveille. Et là, il s'est pris les pieds dans le tapis, a lâché la chroniqueuse des Grandes Gueules. Alors qu'Olivier Truchot rappelait que Paris accueillera les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024, les Jeux Olympiques se tiendront le du 26 juillet au 11 août 2024. Barbara Lefebvre s'est alertée pour les supporters en situation de handicap qui se rendront dans la capitale. C'est une catastrophe, la France va être vraiment la risée du monde. Ça va être un rire très jaune. A asséné celle qui est montée au créneau pour défendre la chanteuse Isia après ses propos polémiques sur Emmanuel Macron.